Bonjour, je suis Iman Barakat, responsable du comptoir des Mines Galeries. Aujourd'hui, au comptoir des Mines Galeries, nous présentons une exposition de Mohamed Qasimi intitulée L'œuvre révélée. Une exposition très attendue où l'on dévoile des œuvres historiques de l'artiste, que l'on retrouve d'ailleurs dans différents archives de son atelier. Il s'agit d'un patrimoine artistique très important que nous sommes honorés de présenter aujourd'hui et qui est le fruit d'un travail acharné de plusieurs années. L'exposition est présentée dans un ordre chronologique sur trois séquences historiques, où l'on découvre vers la fin des années 70 et début 80 la fin d'une abstraction géométrique où il s'est détaché de l'école de Casablanca pour créer son propre essor et exposer à l'international. Nous passons ensuite à des recherches fondamentales entre 1982 et 1988 autour de ce qu'on appelle la période océanide et traversée et découvrir enfin une série d'œuvres de 1988 à 1995 où Qasimi se focalise sur l'humain et les guerres. Un croisement subtil entre une prise de conscience politique et des investigations artistiques dans une transversalité de disciplines impressionnante. On retrouve plusieurs techniques allant des aplats de peinture au travail sur la matière, le goudron, la pâte de papier et les pigments avec son fameux bleu cobalt. La surprise dans cette exposition est également la découverte des œuvres monumentales, assez surprenantes, dont certaines réalisées lors de performances.